la paix nous sont donnés de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En cette première célébration de l'année 2024, permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs voeux à travers un texte, à travers une prière qu'un jeune m'avait donnée quand j'étais en Alsace et que je donnais encore des cours de religion. Donc c'est une prière qui, me semble-t-il, dit l'essentiel, et c'est Pierrot qui va vous la lire. Seigneur, c'est dans la joie et la confiance que je t'offre cette année qui commence. Que sera-t-elle pour moi? Que me réserve selon moi? Autant de questions que je ne veux pas me poser. Toi, tu connais les réponses, c'est le principal. Pourquoi vouloir deviner? Dans la joie, je t'offre cette année, avec tout ce que tu m'apporteras. Dans la confiance, je t'offre ma bonne volonté, car tu as encore beaucoup de choses à me demander. Je sais que je me heurterai souvent au découragement et à l'indifférence, mais si tu me donnes la force et la grâce, alors je te dis au début de cette nouvelle année, comme tu voudras, Seigneur. Amen. Amen. Je vous souhaite une année bénie et soyez les bienvenus à cette célébration de ce matin. Nous célébrons l'Épiphanie. L'Épiphanie, selon le calendrier liturgique, fait partie encore du cycle de Noël. D'ailleurs, pour les orthodoxes, Noël, c'est l'Épiphanie. Alors, même si Noël nous paraît déjà loin derrière nous, nous voulons rentrer encore dans cette histoire de naissance. L'Épiphanie signifie la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a été manifestée dans ce petit enfant, l'enfant Jésus, une gloire qui a été révélée aux bergers et aux mages. Ensuite, puisque le temps de l'Épiphanie se poursuit tout au long du mois de janvier, la gloire de Dieu est révélée aussi à travers le baptême de Jésus, ça c'est le thème de dimanche prochain, et ensuite à travers ses miracles et la transfiguration. Mais ce matin, l'histoire qui nous tient en haleine, c'est bien celle des mages venus adorer l'enfant Jésus. Et le mot d'ordre qui nous est donné pour cette célébration, nous l'écoutons de 1 Jean 2, « Les ténèbres passent, et déjà lui la lumière véritable. » Alors c'est dans la joie et dans la confiance que nous voulons chanter le premier cantique. « Seigneur, nous venons dans ta maison » et nous nous assemblons pour t'adorer. Thank you.
Seigneur, c'est ce que les jeunes vont faire à travers la lecture du psaume 100. Gens du monde entier, faites une ovation au Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux, présentez-vous à lui avec des cris de joie. Ça c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le. Dans la cour intérieure, exprimez vos langues. Louez le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Le Seigneur est bon, son amour n'a pas de fin, il reste fidèle de siècle en siècle. Louange et gloire à ton nom. Allez. Cette nouvelle année commence aussi par un mot d'ordre qui nous est donné et auquel nous pouvons revenir tout au long de l'année. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. D'ailleurs, vous pouvez emporter ce mot d'ordre puisque c'est sur un signet et donc il vous accompagnera. Et c'est l'épître de Jean qui confirme et qui atteste que quiconque aime est né de Dieu.
il est enfant de Dieu. Amen. Notre Dieu est délivrant, c'est lui qui nous aime et il nous sauve. Après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici, des mages arrivèrent de l'Orient à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. L'ayant appris, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et leur recommanda et leur demanda où devait naître le Christ. Ils lui dirent : À Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira un conducteur qui fera paître mon peuple, Israël. » Alors Hérode appela secrètement les mages et s'informa exactement auprès d'eux du temps où apparaissait l'étoile, puis les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner exactement au sujet du petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux, jusqu'au moment où elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où était le petit enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Une fois entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Alors, se prosternant, ils lui rendirent hommage, lui offrirent leurs trésors et lui offrirent des dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis divinement en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin.
à l'est, au pays du soleil levant, vivent trois sages. Certains les appellent les mages, parce qu'ils savent déchiffrer les manuscrits anciens, mais aussi parce qu'ils savent lire les signes du ciel. Un jour, alors que justement ils étudient un de leurs dieux parchemins, ils comprennent, à travers leur lecture, qu'un nouveau roi va naître, un roi pas comme les autres. Auprès de lui, disent les textes, tous les humains vivront en paix. Et qu'importe la couleur de peau, chacun pourra vivre sans peur. Le monde entier vivra en paix. Plus personne ne sera oppressé, plus personne ne connaîtra l'injustice. Ce roi-là, ce sera un roi bon. Nous écoutons maintenant un jeu de clochettes des jeunes. Un soir, par une belle nuit étoilée, les trois sages aperçoivent une étoile. Une étoile bien particulière dans le ciel. Ça, c'est un signe, se disent-ils entre eux. Le signe que ce nouveau roi annoncé par les textes est bien né. Il illuminera le monde un peu comme cette étoile. Au milieu de la nuit. Les sages veulent rencontrer ce roi. Ils savent que le chemin qui mène à lui sera long. Mais la lumière dans leur ciel, l'étoile, les guidera. Ils en sont persuadés. Alors ils rassemblent un peu de nourriture pour le voyage, bien sûr, de beaux habits et des cadeaux pour ce roi. Ça fait beaucoup de choses à emporter. Ils ont besoin de bêtes de somme. Les chameaux feront l'affaire pour porter toutes ces caisses. Et lorsqu'enfin tout est prêt, ils se mettent en route et suivent l'étoile. Au bout du long voyage, ils arrivent à Jérusalem. Là, les gens sur la route, dans la ville, s'étonnent de cette étrange caravane. Ce sont des étrangers. Des étrangers qu'on n'a jamais vus ni ici, dans la contrée, ni à Jérusalem. Regardez leurs habits, leurs chaussures,
leur couleur de peau. Chacun y murmure et y va de son commentaire, mais les trois sages ne se laissent pas impressionner. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. En fait, ils veulent simplement connaître le chemin du palais, car où ailleurs que dans un palais, un roi peut-il naître? Chose étrange, personne n'a rien entendu de la naissance d'un nouveau roi. Toute la ville s'étonne et peu à peu, la nouvelle arrive au palais. À cette nouvelle, le roi, le vieux roi Hérode, est bien troublé. Il rassemble ses chefs, ses prêtres et tous les spécialistes de la loi et leur demande « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Quelqu'un veut-il prendre ma place? Conseiller, cherchez. Trouvez-moi ce qui se cache derrière ce mystère. Après avoir longuement cherché, les conseillers découvrent qu'effectivement, il est annoncé par les prophètes qu'un nouveau roi devait naître. Il devrait naître à Bethléem. Habilement, Hérode laisse les sages poursuivre leur voyage à Bethléem. Mais lui aussi veut savoir. Il veut savoir exactement ce qui se passe là-bas. Lorsque vous rentrerez chez vous, leur dit-il, repassez donc me voir. Racontez-moi ce que vous avez découvert, pour que moi aussi je puisse aller lui rendre hommage. Mais au plus secret de lui-même, Hérode manigance déjà. Il manigance un plan pour se débarrasser de celui qui risquerait de lui prendre sa couronne. Écoutons un jeu de cloche, et c'est Matthieu, Thomas et Damien. Les trois sages poursuivent leur chemin, toujours guidés par l'étoile. Et voilà que l'étoile s'immobilise autour ou au-dessus d'une maison. Une maison, on peut dire. Une frêle construction. Un simple abri. Une étable. C'est là que se trouve le nouveau-né. Jésus, l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Il est là, emmailloté, couché dans la mangeoire sur de la paille. Le cœur de chacun des trois sages est alors rempli d'une très grande joie.
Les trois hommes entrent, voient l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternent devant lui et l'adorent. Tout est calme, tout est paisible. Chacun sort de ses bagages le cadeau qu'il a soigneusement préparé pour ce roi. L'étable se fait alors lumineuse, chaleureuse, et il y règne un doux parfum. Les trois sages sont persuadés, il est bien le nouveau roi pour l'humanité. Dans la nuit suivante, Dieu visite en songe les hommes venus d'Orient. Ne retournez pas chez le roi Hérode, rentrez par un autre chemin. Le vieux roi est habité par la haine, par la jalousie. Il veut en effet faire mourir cet enfant. Et c'est ainsi que les mages et leur caravane rentrent au pays du soleil levant, sans repasser par Jérusalem. Leur cœur est rempli de joie, d'espérance. Ils sont sûrs, ils ont rencontré le roi d'amour et de paix. Au peuple fidèle, Jésus vous appelle. Salle
pour ce traditionnel café galette. Voilà, merci à tous. Voici les événements de la semaine à venir. Mardi à 14h, café par table, et à 20h, atelier public au foyer. Mercredi à 14h30, enterrement de Madame Wilhelms au temple. Jeudi, entretien des locaux de 9h à midi. Vendredi à 17h, réunion du groupe de prière interconfessionnel. Et dimanche prochain, culte à 10h30. Je rappelle qu'il est important de vous inscrire sur le site internet de la paroisse à la formation libérée qui aura lieu ici au foyer du 19 au 21 janvier. Alors, je ne sais pas s'il y a des annonces complémentaires pour Denis ou Bertrand, peut-être, oui. Samedi matin, il y a catéchisme, donc de 9h30 à midi. On sera à Vendange et le thème, ça sera l'année liturgique, les fêtes chrétiennes tout au long de l'année. Et puis dimanche, ça sera un autre pasteur Klaus qui célébrera le culte ici et il y aura une sainte-cène. Tout à l'heure, après le culte, un binôme de prière se tiendra devant la scène pour prier avec vous, si vous voulez rendre grâce au Seigneur ou lui demander de l'aide. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons, par notre don, manifester que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie. Alors je précise que cette offrande est affectée au fonds des vocations. Ce fonds permet de soutenir des étudiants de la faculté de théologie protestante de Strasbourg qui s'orientent vers le ministère pastoral dans la poursuite de leurs études. Maintenant, un petit retour sur la veillée de Noël. Le montant de l'offrande transmise à l'Armée du Salut est de 712 euros. Merci pour votre générosité. Seigneur, lumière et espérance des hommes, fais rayonner ta lumière sur celles et ceux qui vivent dans la peur, dans leurs angoisses, dans leur solitude, dans leurs soucis de l'avenir, laisse éclater ton espérance. Fais rayonner ta lumière sur notre monde, sur celles et ceux qui traversent l'obscurité de la guerre et des conflits, sur celles et ceux qui sont fatigués de devoir toujours se battre pour survivre, sur celles et ceux qui ne savent plus comment continuer. Fais rayonner ta lumière sur celles et ceux qui te cherchent, nos malades qui cherchent un sens à la vie, celles et ceux qui ont été brisés dans leur foi et leur espérance par des épreuves trop difficiles. Permets-nous d'emmener un peu de ta lumière dans notre quotidien, dans notre travail, dans nos familles, dans nos responsabilités,
dans nos joies et nos tristesses, auprès de celles et ceux avec qui nous vivons et que nous aimons. Seigneur, tous ensemble, d'une même voix, nous voulons te dire cette prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Et je vous invite encore à chanter le cantique 882, que la grâce de Dieu soit sur toi, et nous chanterons encore une fois. Que le Dieu de toute grâce, le Dieu bienveillant, vous bénisse et vous garde, qu'il vous donne son esprit, sa force, pour être des témoins vivants au quotidien dans lequel il vous place. Allez maintenant, soyez ses témoins et vivez en paix les uns avec les autres. Amen. Amen. Thank you.